C'est un dimanche comme un autre à Créteil, en banlieue parisienne. Ici, Benoît Génimana est connu de tous. 6 ans maintenant qu'il a les mêmes habitudes, 6 ans à saluer tout le monde, avant de changer de tenue. À cet instant, Benoît Génimana devient le père Benoît. Ordonné prêtre il y a 24 ans à Batouré, dans le sud du Rwanda, il occupe le diocèse de Créteil depuis 2007, au nom du Fidei Donum, le don de la foi. C'est le terme consacré aux religieux en poste hors de leur pays d'origine. La mission du père Benoît, remplir sa paroisse de fidèles. Avec le soleil et la belle cathédrale. Un défi réussi ce dimanche. Plus de 300 personnes remplissent cette cathédrale éphémère. Un public moins nombreux qu'au Rwanda, et moins jeune aussi. Mais la comparaison avec son pays d'origine s'arrête là. Je n'oublie pas l'Afrique, puisque mon accent, ma couleur, tout cela dit l'Afrique. Peut-être aussi les manières de faire, etc., etc. Voilà, mais vous avez vu, hein, dans l'assistance, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de diversité dans nos églises ici à Créteil. Aujourd'hui, la célébration est un peu spéciale. Il s'agit d'une messe sans pape. Avec Benoît XVI désormais retraité, les cardinaux n'ont pas encore choisi son remplaçant. Parmi les favoris, on parle d'un pape africain. À plus de 1000 km du Vatican, ce n'est pas le sujet de discussion principale des fidèles de Créteil. Mais leur prêtre rwandais a quand même son avis sur la question. Il y a déjà au Vatican des cardinaux noirs, hein. Il y en a beaucoup, on les a vus. Donc c'est bien. Mais qu'il soit pape, je ne pense pas que ce soit vraiment le signe qui est attendu. Mais s'il était asiatique, vous voyez, par exemple, ça peut aussi être bien. Ce n'est pas parce qu'il est africain, parce qu'il est noir, que moi je dirais c'est un bon pape parce qu'il est africain. Vous comprenez? Donc, moi, je souhaiterais que le pape soit vraiment quelqu'un d'ouvert à la société, à la vie des hommes aujourd'hui, qu'il soit capable effectivement de nous encourager, y compris en Afrique, y compris ici dans nos banlieues. Pape africain ou pas, le père Benoît ne sera en tout cas pas le dernier homme de foi étranger en mission ici. Pour pallier la baisse des vocations, l'Église catholique française fait appel à l'extérieur depuis plusieurs années. Parmi les 5000 religieuses et les 1500 prêtres étrangers en France, plus de la moitié viennent du continent noir.